Salut mes petites licornes et bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. J'espère que vous allez bien. Oui, bah du coup ça sert à rien que je vous pose la question, je vais pas vous entendre répondre. Donc bah moi du coup ça ne s'arrange pas, hein. Vous pouvez le constater. Et du coup pourquoi je voulais faire cette vidéo moi déjà? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Je pense que la plupart des personnes qui font du diamond painting connaissent les magasins Action, parce qu'ils vendent des petits accessoires voilà, des washi tape, des choses comme ça, et surtout ils vendent des kits de diamond painting. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez aller acheter vos kits là-bas, en sachant que, attention, ça part comme du petit pain, hein. En général, le rayon, ils le remplissent, 10 minutes après, il n'y a plus rien, donc faut être réactif, hein, c'est compliqué. Et donc moi justement, c'était avant qu'on soit confiné, enfin reconfiné, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, j'étais allée dans un des magasins Action les plus proches de chez moi et je recherchais du coup les diamants painting, les nouveaux kits. Il y en a deux que je voulais absolument, que je trouvais trop beaux. Et bien sûr, c'est les deux seuls que j'avais pas trouvé. Donc, j'avais quand même sélectionné trois autres modèles que j'aimais bien. Dont un quand même que j'aimais quand même pas mal, et d'ailleurs je vais vous les montrer, hein, pourquoi tergiverser, je vais vous montrer tout ça. Alors la première fois que je suis allée chez Action, c'était pour acheter déjà ce petit modèle. C'était pas celui que je préférais, mais je le trouvais mignon, j'aimais beaucoup les couleurs avec les petits dégradés dans le ciel et tout. Faut savoir donc chez Action, la plupart, même tous, sont des modèles ronds. Voilà, en fait, vous n'aurez pas, vous aurez pas de carré, voilà. C'est pas des diamants carrés, c'est forcément des ronds. À moins qu'il y en ait eu des carrés, mais ça, j'en ai jamais vu. Alors, je suis preneuse, je veux bien voir, du coup, s'il en existe, ça m'intéresse grandement. Voilà, donc j'avais choisi celui-ci parce que je le trouvais mignon. Ensuite, j'ai pris la panthère. Bon, je trouve qu'il y avait beaucoup de vert. C'était pas un de mes préférés, mais j'avais jamais fait de panthère. Je me suis dit, tiens, ce sera l'occasion. Alors, vous pouvez voir, hein, ça reste une qualité de détail relativement très minime, on va dire. Mais ça suffit. Moi, j'avais très envie de les prendre. C'est des 30 par 40. Ils sont petits, faciles à transporter. Je me dis, c'est bien pour moi qui a pas mal de temps de pause le midi au boulot. Et je me dis, comme ça, je peux les transporter, pas les transformer, ni les téléporter d'ailleurs. Parce que si je peux téléporter un truc comme ça, très clairement, je me téléporte avec. Hein. Voilà, bon, c'est pas, on fait pas la même taille, c'est sûr. Sans commentaire. Donc voilà, et je me suis dit, voilà, ça peut être très sympa à emmener au boulot, voilà, pendant la piste. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Pendant la pause de midi, je trouve que c'est plutôt très cool. Voilà, celui-ci. Et donc, le troisième que j'avais pris à l'époque, c'était un de mes modèles favoris. Le hibou, mais je trouve ces couleurs sublimes, et en plus de ça, il y a des diamants AB. Et vous savez que j'adore les diamants AB. Oh, les diamants AB. Ouais, voilà, donc il y a des diamants AB, et je me suis dit, enfin, ils brillent vraiment. Alors, je sais pas si c'est vraiment des AB. Ils mettent Shiny and Neon Rhinestones. Bon, écoutez, on verra un peu ce que ça donne. Mais je pense que ça va être très sympa. J'aime beaucoup ce modèle, il y a plein de couleurs. Celui-là, je pense que ça va être le premier que je vais emmener au boulot quand j'aurai fini mon petit stitch. Et puis aujourd'hui, j'y suis retournée pour faire juste 2-3 petites emplettes et je suis tombée sur les deux autres que je voulais absolument. Et j'ai dit, bon, bah voilà, je me sens très coupable. Bon, en même temps, à 4 € le kit, si vous voulez, je me suis pas non plus ruinée. Voilà, donc l'autre c'était le pan. Voilà, je le trouve très beau le pan, et en plus de ça, on a inclus des diamants spéciaux. Moi je sais que sur mes toiles Diamond Art Club, il y en a, et je me suis dit, oh, tiens, c'est sympa, Action s'y met aussi un petit peu, ça change, on va tester. Voilà, j'avais très envie de tester. Je dis, il est beau aussi ce pan, j'adore les pans, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Et le dernier, et pas des moindres, celui-là je sais qu'il est très recherché, il y a beaucoup de gens qui le cherchent sur les groupes Facebook, c'est le Lion. The Lion, le lion ultra coloré. Bon, voilà, vous avez compris pourquoi je l'ai pris, c'est parce qu'il a de sublimes couleurs, et en plus il a des diamants AB, enfin des, je sais pas
pas si c'est vraiment des abbés. Hein. On dit que c'est des abbés, mais ils ont l'air de bien briller, enfin plus briller que la normale. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi. Il va être magnifique ce lion. Enfin, moi je le trouve sublime. Voilà, j'aime beaucoup. Ben voilà, c'était juste ça. Je voulais juste vous montrer les modèles que j'ai en ma possession de chez Action. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller en acheter. Comme je vous le dis, si vous en voulez, il faut y aller vite. Hein. En attendant, je vous invite du coup à... J'ai tout cassé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche, mettre sur s'abonner, partager, liker, etc. Diamond-painting... Non, Meldis-diamond-painting. Painting sur Instagram et puis Diamond Painting en pagaille. Enfin bon, voilà, je vous mettrai les liens de toute façon dans la description parce que je vous raconte absolument n'importe quoi. C'est la fin de la vidéo, vous l'avez compris. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut, salut!